in memoria parliamo di nascita o piuttosto a rinascita dell'Università di Corsi, che aveva tutta voluta da Pasquale Paoli nel 1763 a Campado sino sconfitta di Bonteno 6 anni dopo. Il sogno di Paoli è tanto smarrito e l'università è serrata, ci voleva aspettare 2 secoli e una mossa popolare e politica per vedere a Bredona starnese di sviluppo decisa sotto Giscard in 76 si era messa in ballo davvero sotto François Mitterrand 40 anni fa. Lionel Luciani e Matteo Luccioni voltano per noi in del passato. Le succès de cette journée a souligné, si besoin était, l'importance que revêt pour la jeunesse corse l'implantation d'une université dans le centre de l'île. Ces parlementaires ne souhaitent pas tellement que cette université de Corse ouvre. Ouvrir l'université en Corse, c'est provoquer une évolution des esprits, et je ne crois pas qu'ils soient favorables à cette évolution. Già nel 1763 sotto Pasquale Paoli, con una consulta incaricata una commissione di 9 persone di riflettere nella creazione di un'università in Corti. 2 anni dopo il progetto esce e l'università apre le sue porte a 300 studenti. Serata di maggio 1769 dopo Pontenou, l'università starà chiusa più di 2 secoli. Ils étaient venus des 4 coins de l'île, leurs banderoles et leurs t-shirts réclamant une université à Corté. Le débat a en fait tourné autour de ce problème. La récente annonce de la création d'un centre universitaire à Ajaccio à portée de main de François Jacob, il y a un énorme livre blanc, plus de 400 pages, où il est question à chaque ligne de ce qui préoccupe la Corse depuis plusieurs mois, son université. Ont obtenu Ajaccio 13 voix, Bastia 5 voix, Corté 29 voix. En conséquence, le Conseil régional a décidé de l'implantation de la future université à Corté. Est-ce que le gouvernement est obligé de suivre cet avis? Il me paraît difficile que le gouvernement puisse tenir cette position pour lettre morte. Il 25 di novembre 1975, un decreto di creazione di una facoltà in Corti sarà piada, ma ci l'ha aspettato attorno a 6 anni perché la si avessi a prima rientrato. Corté, haut lieu historique de la Corse, s'apprête en effet à recevoir les premières structures universitaires de la 22e région. Cela valait bien quelques croquis de la cité paoline. Enfin, un dernier regard sur la Corse avec la rentrée universitaire à Corté. L'université de Corse, que l'on disait mort-née, assassinée ou moribonde, tient donc encore la rampe, même si sa progression en maturité et en effectif peut être analysée en termes de combat quotidien. La serradura di un 1769 sino al blocchino di gradi in 1984, la sua storia è stata sempre e veramente straziata. Une vingtaine de militants de la Consulta di Studienti Corsi ont occupé ce matin le rectorat de la Corse pendant un peu plus de 3 heures. À l'origine de cette occupation, la 3e du genre en 3 ans, encore et toujours les difficultés de l'université de Corté. Si l'occupation se voulait symbolique et pacifique dans l'esprit, la lettre a été plus brutale. La surprise se trouvait au 4e étage où est situé le bureau du recteur. 4e étage dont l'accès était défendu par un mur de parpaing construit dans la nuit par un premier groupe d'occupants entrés par effraction. J'ai tenu à être là d'abord parce que ce sont mes étudiants qui manifestent et donc je pense que j'ai besoin d'être avec eux, mais aussi et surtout parce que la revendication qui est la leur aujourd'hui c'est-à-dire sur l'importance de la langue et de la culture corse et sur la co-officialité, cette raison de fond, je suis d'accord avec eux. On veut, on va demander la manifestation, oui. Jusqu'à la sous-préfecture, lire un texte de manière très pacifique. De toute façon, j'espère que c'est nul d'en arriver aux armes aussi. Mais... Abbiamo deciso di rendere due polizia che troviamo in città e che avevano permissione di ciappare i giovani. Libertà! 8h ce matin, le président de l'université sort de la préfecture après avoir passé la nuit dans les locaux avec l'ensemble du conseil d'administration. Une première, invitée par le préfet pour une réunion hier après-midi, la communauté universitaire a refusé de quitter les lieux sans un arbitrage du ministère concernant les 26 postes à pourvoir. Accettata oggi da tutti, malgrado scommesse studentine sempre d'attualità, a facoltà si è imposta poco a poco sino a diventare un motore di agità. L'università ha riuscito a scommessa d'imponesi in una città di tradizione militare.